Nous avons vu ensemble où observer les animaux, comment les reconnaître. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour que votre rencontre avec l'animal se passe bien. La meilleure des rencontres, c'est celle qui n'a pas lieu, celle qui se passe de loin. Donc, dans un premier temps, privilégiez les jumelles, les longues vues et l'observation visuelle de loin. Pourquoi ne pas s'approcher d'un animal, notamment et surtout en hiver? Parce que l'animal est en mode survie. Il est en mode survie à différents titres. Il économise son énergie qu'il a emmagasinée sous forme de graisse. Il a en économie d'énergie parce qu'il n'a pas de nourriture suffisante. Ou quand il y en a, elle est sèche, c'est de l'herbe sèche qui n'est absolument pas nutritive. Et il est en mode survie pour une troisième raison, c'est qu'il est concentré avec toutes ces espèces au même endroit. Donc elles partagent l'alimentation entre plusieurs espèces, entre plusieurs individus. Donc il n'y a pas à manger pour tout le monde. Et en dernier point, il doit lutter contre la nature. Le froid, très présent l'hiver forcément, la neige qui rend difficile les déplacements, et puis forcément les avalanches qui peuvent balayer les animaux et les faire décéder par ensevelissement ou faire sauter une barre. Donc voilà, petit conseil d'amis, si vous voulez observer les animaux à Rozuel, dans la vallée du Ponturin, sur le site du ski nordique à Pézé-Valandry, maintenez vos distances et puis en plus, vous serez à l'abri des avalanches aussi. Bonne observation.